Il dort tout habillé, mais il dort. Vous voyez, il a des belles fesses, des belles cuisses, des beaux mollets, une petite tête de cochon. Eh bien, on va le réveiller. Hop, hop, hop. Eh bien, salut tout le monde. Voilà, il s'étire. La journée vient de commencer. Et puis, je vais aller prendre ma petite douche. Une petite vidéo pour vous parler de pas mal de choses. Voilà, c'est vrai que je suis beau quand je me rends au miroir. Une vidéo où je vous parle, où je vais vous parler, pardon, de pas mal de petites choses. Ce qu'on me pose souvent comme question, des fakes aussi, parce que j'ai pas mal de fakes. Donc, on va commencer par ça. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je perds mon masque quand je prends ma douche? Parce que moi, j'aimerais bien prendre ma douche avec mon masque. Hein. Est-ce que vous trouvez mon personnage musclé? Voilà, c'est la question du début de vidéo. Ou alors, on le voit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Ah, est-ce que vous trouvez mon personnage musclé? Moi, je trouve un petit peu musclé. Bon, dans la vraie vie, je suis beaucoup plus musclé, vous savez très bien. Donc, la vidéo. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette vidéo? C'est très simple, c'est une vidéo assez courte, de 5 à 10 minutes. Je sais que ça fera chier certaines personnes, mais je suis désolé, je suis obligé de le faire. Une personne a créé une page Facebook qui a 1500 personnes ou un truc comme ça. Enfin, j'aime. Donc, il y a 1500 personnes qui pensent que c'est moi. Il y a une page qui s'appelle Monsieur Cotier, elle sera dans la description. Je mettrai la page fake, deux points. Je mettrai le lien dans la description. C'est une fausse page hein, qui se fait passer pour moi. C'est ça le pire en fait. Moi, ça me dérange pas qu'une personne poste mes vidéos. Je me dis pourquoi pas, ça me fait de la pub. Mais en fait, non, la personne répond à ma place. Par exemple, si un abonné dit est-ce que je peux jouer avec toi? Lui, il fait ah non, pour aujourd'hui, ça peut être. Pour... Bref, il se prend pour moi donc ça passe pas. Je l'ai signalé à Facebook et ils m'ont dit que comment ça s'appelle? Rien n'était mauvais dans sa page, alors qu'il se fait passer pour moi, il prend mes photos, voilà, c'est vraiment pas normal. Donc, si vous pouviez la signaler, je me dis que si on signale, est-ce qu'on peut se laver les mains? Jamais essayé. Est-ce qu'on peut aller chier? Non plus. Je me dis que si on est beaucoup d'abonnés à signaler la page, je pense que ça va peut-être changer quelque chose. Peut-être que Facebook vont comprendre que c'est pas normal que la personne a créé cette page, tout simplement. Donc, je compte sur vous pour aller signaler la page. Bah, quand vous l'avez fait, dites-le-moi en commentaire, parce que moi, j'aime bien savoir qui fait les choses pour moi. Ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui le feront. Et suite à ça, bah, je me suis dit, je vais créer une page Facebook. En fait, j'avais une page, mais c'était plus une page personnelle, vous voyez. Enfin, un compte personnel où c'était mon nom, mon prénom, et est-ce que je peux. Hop. Mon nom, mon prénom, tout ça. Là, j'écris une page, Monsieur Cotier, je la mettrai dans la description aussi. Et c'est là, en fait, où je dirai les tri quand ils seront faits, quand je jouerai, qu'est-ce que je vais mettre comme vidéo dans la journée, qu'est-ce que je fais. Voilà, bref, ce sera tout et n'importe quoi. Ou pourquoi pas pour jouer entre vous aussi. Parce que le but d'une page communautaire, c'est qu'il n'y a pas que moi dans la vie. Hein. Vous pouvez jouer entre vous, il n'y a pas de problème pour ça. Par exemple, si deux abonnés, bah, je connais pas mal de personnes qui ont fait connaissance et. Suite à ça, bah maintenant ils jouent souvent ensemble. Donc c'est un peu le but aussi. Est-ce que je peux boire? Non, il veut pas boire. Il aime pas l'alcool. Il a bien raison. Ah, il préfère le vin. Ok. C'est un mec comme ça. C'est un mec comme ça qui préfère le vin. Donc, t'as peut-être qu'il en dirait une meuf comme ça. J'aime pas. Je préfère des dos. Donc voilà, je mettrai ça en description. Donc si vous pouvez signaler la fausse page en disant que la personne bah, se fait passer pour une personne que vous connaissez. Et vous abonner à ma page, hein, si vous voulez, je vous oblige à rien, ça c'est à votre bon vouloir, comme ça au moins les personnes ne diront pas, ah tiens, c'est quoi comme vidéo que tu auras la prochaine fois, c'est quand que tu en feras une avec tes abonnés, voilà, là vous saurez tout dessus, comme sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez aussi ajouter mon compte personnel qui est dans la bannière de ma chaîne, hein. Je vais essayer de séparer les deux, en fait sur mon compte personnel, je vais essayer de parler un peu de ma vie, hein. Et la page fan, ce sera vraiment jeux vidéo, voilà. Tout simplement. Par contre, il y a une personne qui parle. Attendez, je vais essayer de voir c'est qui, parce que. Bref. Je voulais vous parler de ça. Attendez, on va s'asseoir sur le canapé un petit peu pour parler. Hop. Eh, silence, les jeunes, silence. Il y avait ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je peux regarder la télévision, mais j'ai peur de me bouffer un droit d'auteur vu que l'émission. Enfin, le dessin animé peut être copyrighté, mais bon, ça aussi, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça. Pour ceux qui demandent, la musique de mon intro, c'est Wookid Run Boy Run, hein, parce qu'on me la demande à chaque fois en commentaire. Quand arrivera. Attendez, je suis obligé de mettre. Je suis obligé de mettre les gens.
Je sais pas ce qu'ils font avec leur micro. Soit ils se le mettent dans le cul. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais des fois, les gens, on se demande ce qu'ils font avec leur micro. La musique dont l'intro, oui, c'est Wookid, Run Boy Run. Qu'est-ce que vous me posez encore comme question souvent? Est-ce que je peux ajouter les gens sur mon compte PSN? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si je devais ajouter tout le monde, il n'y aurait jamais assez de place. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, le seul moyen de jouer avec moi, c'est de faire partir du crew. Je sais que le crew, je fais une place toutes les 2 semaines, mais je peux pas en faire une tous les 2 jours non plus. Parce que si j'en fais une tous les 2 jours, ça veut dire que je vais supprimer des gens qui n'auront même pas joué. Bref, ça va être trop compliqué. Pour moi, je fais le tri une fois toutes les 2 semaines, à part quand les gens limite m'harcèlent, qu'il y a des personnes qui m'harcèlent vraiment, hein, qui me disent dépêche-toi, fais le truc. Limite, ils sont là, ils m'insultent, limite. Donc, c'est un peu déstabilisant, vous me direz. Mais voilà, je voulais vous dire ça pour les Jeux Olympiques. Ça va être fait très prochainement. Normalement, la vidéo sera dispo ce week-end. On va enregistrer ça prochainement parce que c'est de ma faute. Hein, il n'y a pas de problème. J'accepte toute la responsabilité. Pourquoi? Ouais, les gars. Parce que j'ai des problèmes de santé, comme vous savez, et j'ai des disponibilités un petit peu bizarres. Voilà. Donc, ce sera fait, vous inquiétez pas, c'est pas un projet que j'ai mis la clé sous la porte. Non, non, pas du tout. On va aller au garage Hey, prendre un petit Anto, truc. t'as entendu? Anto? Tais-toi! Le mec, il crie comme si son Oh, pote. tu m'entends? Non, on t'entend pas. Et comme ça, juste après, je ferai la vidéo. Carnage Tank 5, je pense, comme ça, lui, je vais le tuer et c'est marrant de l'écouter avec son micro. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on les mute, on voit plus leur niveau. Enfin, il y a la croix qui. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule? Je vais prendre la bâtisse, je l'ai pas pris souvent en vidéo. Et puis voilà, c'était vraiment pour faire une mise au point, parce qu'on me pose souvent les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on me pose comme question encore? Les défis, oui, je prends vos défis en compte en commentaire, ça y a pas de problème. Mais des fois il y a des défis qui sont trop compliqués, donc je vous avoue, je prends les plus simples. Je suis d'accord aussi du fait que c'est souvent les mêmes abonnés qui sont. Merde, vite, vite, vite. Mais non. Voilà. Je comprends que ce soit toujours les mêmes abonnés qui sont dans les vidéos, mais pourquoi? En fait, je vous explique. Quand je fais une vidéo, généralement je le précise ou je le précise pas. Et j'invite parfois les gens hein, à venir. Et en fait, c'est tout le temps les mêmes personnes qui arrivent en premier. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire aux gens, cassez-vous. Je sais pas comment procéder en fait. C'est ça le petit problème des gens qui jouent avec moi. Je ne sais pas comment faire. Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est souvent les mêmes abonnés. Hein. Après, je vous ferai aussi des vidéos comme au tout début, des vidéos où je fais les courses, les activités. Vous verrez que je vais inviter les gens. Et vous verrez les mêmes personnes, parce qu'il y en a qui refusent, hein. Il y en a qui vous diront, oh Coty, tu fais pas des vidéos avec tes abonnés, mais ces gens-là, en même temps, quand je les invite, ils refusent. Pour une quelconque raison, hein. Mais quand je les invite, ils refusent, donc c'est pas très cool. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah, je tiens à vous remercier aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'on est déjà 60 000 abonnés, hein. C'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'à l'époque, je me disais, au début de cette année, j'avais 5 000 abonnés, je crois à peu près, et je me disais, allez, franchement, si j'ai 15 000 abonnés, hein, c'est vraiment champagne. Alors là, on est vraiment parti plus loin. C'est grâce à vous, parce que il y a des personnes qui partagent mes vidéos, qui les favorisent, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent les voir encore plus, qui commentent, qui likent, ce qui fait que ça fait un petit partage. Hein. Donc merci à toutes ces personnes qui font que la chaîne soit vivante, hein, parce que sans vous, la chaîne ne vaut plus grand-chose. Hein, faut dire ce qui est. Après, j'avais prévu de faire une vidéo de 50 000, mais je ferais peut-être une vidéo plutôt 5 000 vu à quel point ça va vite. Enfin, j'avais une vidéo, je vous en parlerai plus dans une vidéo spéciale, mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon concept de la vidéo, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, la vidéo, moi pour les 50 000, ce que je voulais faire, c'est un trombinoscope de mes abonnés. Qu'est-ce qu'un trombinoscope? Vous devez vous poser la question. C'est en fait, comment dire, mettre un visage, enfin mettre une photo sur un pseudo. En gros, c'est j'aurais fait une vidéo de 5 à 10 minutes, hein, avec un petit mon. J'aurais fait une vidéo, comment ça s'appelle? Avec vos photos. En fait, je vous aurais dit dans une vidéo de m'envoyer vos photos, par exemple sur Facebook tout simplement, ou sur Twitter, où j'aurais créé un mail spécialement pour ça. Une photo où vous êtes seul, où vous êtes avec vos amis. Hein, une photo où je sais pas, par exemple, vous avez écrit Monsieur Coty dans la neige, enfin voilà, mais principalement une photo
où on vous voit, parce que le but c'est ça, d'un trombinoscope. Je parle avec le nez, donc je suis un petit peu désolé. Voilà. Donc, en gros, ça aurait été ça. Il y a un petit montage de 5 à 10 minutes. Pourquoi? Eh bien, bah, pour montrer votre tête. Enfin, c'est con, mais moi je me dis, pourquoi faire une vidéo 50 000 abonnés sur GTA par exemple? Pour moi, le but d'une vidéo 50 000 abonnés, c'est vous remercier. Et quoi de mieux que vous remercier? Ouh là là! Il a pas fait exprès, je pense. Eh bien, s'il l'a fait exprès. Enfin, à la base, je pense pas qu'il a fait exprès de me tamponner, mais je crois que si. Donc, s'il veut faire la guerre, on va la faire. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est vilain. Vous devez passer. Et là, il va se tirer. Et oui, c'est souvent ça, les gens. Ils jouent les pas beaux vilains. Il s'appelle comment? Donc, c'est Serbian. Hein, vous devez mettre en commentaire Serbian, tu es vilain, tout simplement. Mais là, je vais le courser vite fait. Oh, petit bâtard. Vite, mais c'est quoi ce cochon qui se relève pas? Mais vous allez voir, après, je vais le fumer et je vais pas le lâcher. Par contre, on est déjà à 11 minutes, moi qui voulais que ce soit une petite vidéo. Regardez, et là, il va se barrer. Allez, salut! Tu vas oser chercher Monsieur Côté? Maintenant, attendez, on va attendre qu'il respawn parce que... C'est bien beau de me chercher. Oh là, c'est de la mytho. Je lui mets des balles en belle. Bref, je voulais continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en gros, là, ce sera un montage de 5 à 10 minutes avec vos photos. Pour vous donner un terme d'exemple, c'est un petit peu comme la vidéo de Squeezie avec le Waza. Mais lui, c'était des... Je sais pas si c'était des photos ou des vidéos qui vous avaient demandé. Bah moi, ça sera un petit peu pareil avec votre photo, tout simplement. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'expliquerai ça beaucoup mieux... durant une vidéo, mais après ce sera à vous de me dire. Allez hop là. Ce fusil à pompe, il est juste énorme. Bref. Je pense avoir tout dit. Si j'ai pas tout dit, si vous avez des questions, après, vous voyez qu'on fait une vidéo, on oublie souvent des choses, mais ça c'est les questions qu'on me pose le plus souvent, l'intro, le crew, tout ça, voilà. Je pense vraiment avoir tout dit. Je vais le buter une petite dernière fois, histoire hein, de se mettre bien. Merde, explose. Eh bien non, 4-2, allez, faut quand même... Le premier à 5, allez, on va se dire ça, le premier à 5, mes petits loups. Ouh là là, il y a les pompiers. Il est où? Je vais prendre mon snipe. Il veut pas montrer sa petite tête, parce qu'en fait... Mais c'est qui me tire? C'est celui qui me tire dessus. Le vise en pleine tête, mais bon, j'ai voulu assurer. Où est-ce qu'il va spawn? Oh là là, oh là là, oh là là! Bah oui, mais non, voilà, il a gagné, donc félicitations à lui. Il m'a mis la poune, comme on dit.